Mention spéciale à celui qui me trouve. Mention spéciale au premier qui me marque. Qui est David Ackerman. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est pas une mission, c'est une putain d'aventure. Voilà. Donc si vous savez pas qui c'est mal. Et je vous encourage très vivement à vous renseigner à ce sujet. Parce que vous ratez quelque chose d'extraordinaire. C'est dit. Ils sont 225, il n'y a pas de seigneur. En même temps, il n'y a pas spécialement de tout. Ah, ça me plaît pas, mais où est-ce qu'il peut être? Où est-ce qu'il peut être? Ben écoutez, je vais revenir vers Moscou. Parce que je le trouve pas. Je vais pas aller m'amuser à assiéger une ville tout seul, hein, c'est trop compliqué. Enfin, je suis surtout pas assez puissant pour l'instant. Eux par contre, ils vont charger. Salut! Rends-toi ou tu vas crever. J'étais prévenu. Tout le monde tient sa position, je sais plus comment ils sont en face. Ouais, en fait on charge. Voilà, comme ça j'ai attiré un truc, ils vont se faire charger de flanc ou... Enfin, je vais essayer d'en attirer le maximum vers les cavaliers. Voilà. Ça c'était beau quand même, le coup du... de défendre ton cheval et... du coup tu te retrouves à pied face à tout le monde, c'était assez beau. Oh non, celui-là c'était... Non, celui-là c'est pas merveilleux de le rater, franchement. J'ai même pas tué la fin, si tu es un cheval. Donc là, l'objectif, hein, c'est juste de... de se faire du pognon, de faire... de gagner en renommée. Et écoutez, ben, je retourne vers Moscou, hein, puisque incapable de... incapable de trouver. Quelle heure est-il? Ça fait une heure qu'on est ensemble. Bon, ben, on va encore... je vais pousser un petit peu. Hein, on va faire... on va rallonger un petit peu la durée de la... J'ai dit qu'il était beaucoup. C'est bien ça. Ouais, donc je vais rallonger un petit peu la durée de la session. Parce qu'il n'y a pas de raison. Après tout, je m'amuse bien. J'ai encore du temps. Il y a Kafa que je suis pas allé voir. Je vais piller là, tiens. Ce sera... Oups là. C'est des ravitailleurs, ce sera fini avant que j'arrive. Mais bon, après tout. Hein. Que des cavaliers. Hein. Alors, les archers. Vous restez là. Et chargé. Et... Là, je touche les chevaux. Oh, de l'infanterie, c'est bien ça. Allez, crève. Ah, ben, crève pas, ben. Je vais arriver à taper là. Gagne rien d'expérience, j'arrive pas à faire de kill. Ça m'énerve. Bon, après c'est pas comme si la bataille était glorieuse, on va dire, parce que bon, c'est pas comme si on était 140 ou 160 contre une dizaine. Ah, bien. J'aimerais juste prendre un niveau en fait, parce que je vais augmenter mon charisme pour...
pour pouvoir embaucher plus de soldats, pour avoir une plus grosse armée, pour pouvoir assiéger un château. Parce qu'il n'y a pas de raison que je ne puisse pas assiéger un château. Bon, ils sont tous morts, on a gagné, j'ai pas eu de perte. Et l'autre aussi, il est content, je suppose, vos pertes. Ah si, j'ai eu un mort quand même. Oui, on est d'accord. Allez, ferme ta gueule, qu'est-ce que... file-moi des provisions. Quand est-ce que je prends mon niveau? Vous voyez là tous ces... Enfin, si admettons j'assiégeais cette ville, que je pourrais recruter 90 prisonniers, mais j'ai ma taille maximale de groupe qui est à fond. Donc... Alors, qu'est-ce qu'il y a à CAFA? Ils sont 80 plus 121, donc on va éviter aussi... Enfin, 80 plus 121, attendez. Bon, je prends une calculatrice 2 secondes et je fais le calcul parce que ça m'intrigue. Peut-être que je me suis planté tout à l'heure ou peut-être que j'ai à moitié compté parce que... Enfin, j'en sais rien. Donc je vais faire un vrai calcul. Alors 65 plus 43 plus 17 plus 10 plus 37 plus 8 plus 20 plus 5 plus 56 plus 23 plus 14 plus 2 plus 1 puisque j'ai oublié le seigneur, ça fait 301. Donc c'est bien ça, il faut tout additionner. Donc j'ai juste pas du tout ce qu'il faut pour aller assiéger ce genre de ville. Il faudrait une forteresse qui est peu défendue, genre quand ils partent en campagne, ben là il faudrait que j'arrive et que moi dans la foulée je leur éclate tout par derrière. Bon, c'est dégueulasse ce que je viens de dire. Mais en attendant, ben je peux pas. En attendant, je ne peux pas. C'est là qu'il a été repéré en dernier. Qui c'était ça? Des bandits qui me fuient. Je pourrais attaquer les bandits, mais bon, très franchement. Ça va emporter 3 d'XP. Je prendrai pas mon niveau pour autant. Et je veux à tout prix prendre mon niveau. Pourquoi? Je vous montre. Hein, alors... Sens du commandement, chaque point augmente le nombre de troupes maximum de 5 et chaque point réduit la solde des troupes de 5%. Sachant qu'il me faudra mettre quand même un point de charisme pour pouvoir le prendre. Là c'est pareil quoi, ils sont trop nombreux pour que je puisse faire quoi que ce soit, ça m'énerve. Je vais revenir à la forteresse d'Izum, je vais voir s'ils ont eu des nouvelles de... Parce qu'en fait, ça me saoule juste de pas pouvoir... De pas pouvoir déclarer allégeance au royaume, en fait. D'autant plus que, ben, mine de rien, je commence à payer cher tout ça. Hein. Bon, j'ai un petit peu de butin à vendre, vous me direz. Je commence à manquer de provisions. Mon poulet est complètement... Enfin, les poulets commencent à pourrir, donc je pense pas que les soldats apprécient longtemps. Salut, j'ai un truc à demander, tu sais où est le tsar? Non, putain, j'ai toujours pas. S'il faut, c'est un bug aussi, hein. Si c'est un bug, ça me ferait juste... ça me ferait chier, en fait. Place du marché, marchand de biens, je vais te vendre 2 ou 3 bricoles, toi. Je vais t'acheter du chou. Je vais vendre ça aussi, tant pis, même si c'est un très bon casque, ben, je préfère gagner de l'argent. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement quelques instants, je vais me renseigner pour voir s'il y a un bug, ou si vraiment c'est qu'il a été fait prisonnier quelque part, hein, et je reviens. Bon, ben, chers amis, je ne l'ai pas trouvé. Alors, il y a un bug qui... Enfin, il y a un bug. C'est pas un bug en fait, c'est juste qu'il a été fait prisonnier apparemment par l'ennemi, donc c'est bien ce que je pensais. Comme il est pas dans une forteresse, ça doit être un seigneur qui le garde en otage, donc je cherchais, je suis tombé sur lui. Il y a très peu de chances que j'arrive à le fuir, donc je vais essayer de les affronter. Et bien écoutez, on va voir tout de suite ce que ça donne.
Halte, déposez les armes. Bah écoute, je vais te péter la gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que je serai en hauteur, ce serait bien, oui. Alors, tenez cette position, vous ne tirez pas. Parce que là, ça va être magique, ils sont tous à pied. Ils sont pas tous à pied, mais... ça va leur faire bizarre quand même. Avancez un peu tous. On n'est pas des masses, on a principalement la cavalerie. Donc en fait, vous allez pouvoir tirer à volonté, c'est pas dérangeant. Bon, à cette distance, on a une chance de toucher. Hein. On va attendre qu'il s'approche un petit peu, hein. Je sais pas ce que vous en dites. De toute façon, vous en dites pas grand chose puisque vous ne pouvez pas me répondre. Je vais juste inspecter les troupes que j'ai. Ouais, j'ai un mousquetaire, oui, donc je suppose que... En termes d'avantage tactique, il doit être légèrement meilleur que moi, donc... Je vais me la tenter comme ça, et puis on verra si on arrive à faire quelque chose après. Si on pouvait en tuer un ou deux avant de prendre l'assaut. On aurait gagné du temps, quoi. Et des trucs. On va essayer de contourner par la droite. Du monde de quand même. Attention, il va falloir se préparer à charger, c'est bon bientôt. Attention. On va pas tarder à charger, j'aimerais les prendre en fait dans la descente. Bon, allez, on y va. Allez, on se la tente. C'est parti. Et cette fois-ci, elle aura pour tout le monde. Bon, j'ai l'impression que ça se trouve, okay, ça se passe quand même pas mal du tout. Je vois très peu de pertes de notre côté. Il commence à être en déroute. Donc c'est plutôt bon signe, les amis. De nouveaux ennemis sont arrivés. Ah. Bon, dans ce cas, on va pas s'occuper des fuyards. Hein, on va essayer de se regrouper. Tout le monde me rejoint. Revenez tous. Allez. Revenez tous parce qu'on va se prendre une petite charge. Donc je veux qu'on soit groupé. Allez, on y va. Ah oui, là, ça va être beau là. Puis j'ai 0 points de dégâts, ouais c'est beau en effet, ouais. Oh oui, j'aime bien quand il crie comme ça. Ce qu'il me faudrait en fait c'est un bouclier pour faire un déplacement. Histoire de pouvoir charger sous un beaucoup moins du reste. Dans l'ensemble ça se passe bien quand même. Ça va, leur renfort après c'est du faible, enfin j'ai l'impression que les domine quand même assez irrémédiablement. Par contre ça fait transpercer cette domine. J'ai presque mon niveau, ils ont encore eu des renforts. C'est pas grave, on tient le choc. Autant les blessés, je m'en fous un peu parce que bon, je finirai par les soigner. Hein. Autant les morts, j'aime pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, mort, c'est un état qui pour moi est irrémédiable. Et quand on est mort, en général, c'est pour un bon. Hein. Je vais essayer de regrouper un petit peu tout le monde.
On va se mettre dans la cuvette, même si c'est une position stratégique complètement pourrie. Pour la bonne et simple raison, je vais faire charger la cavalerie et l'infanterie, mais que les archers vont rester ici. J'essaie d'avoir une stratégie après efficace, quoi, donc c'est pas évident. Mais bon, c'est le genre de bataille qui me plaît. Au moins, il se passe des choses. Oula, mais c'est pas ce qu'on voulait savoir. Après, c'est une belle bataille, ça fait plaisir. Allez hop, tout le monde charge, on peut y aller. C'est une bataille qui vaut le coup d'être jouée. Bon après j'aime pas le relief, ça me désavantage parce que j'ai beaucoup de cavalerie. Comme j'ai pas des masses d'archers non plus, bon c'est... Enfin, d'archers. Il me reste pas grand chose comme mousquetaire quoi, si vous regardez, il y en a peut-être 6-7 sur le champ de bataille. Il y en a beaucoup qui ont été assommés, beaucoup qui n'ont pas plus de conneries à la bataille pour des raisons d'avantages tactiques. Bon j'ai l'impression qu'on arrive quand même au bout. Alors où est-ce qu'il y a des ennemis encore? Oula, il y en a là. Voilà. Il me reste 3 balles. Et c'est gagné! Eh ben putain! Alors j'ai eu 8 morts, 14 blessés et eux 82. Donc on est 55 contre 25 cette fois-ci. Allez hop! Restez là tout le monde. Alors, archer, on va les mettre en hauteur. Vous allez vous placer ici. Infanterie juste devant eux. Cavalerie avec moi. Voilà, vous voyez, on va essayer de faire une défense efficace. Alors, je sais pas où ils sont. Je les vois pas. Je les vois pas du tout, ça me plaît pas. Donc je vais essayer de placer ma cavalerie en hauteur. Où sont-ils ? C'est eux là-bas ? Je suis à la limite du champ de bataille, je crois, non ? Non, ouais, si. Alors la cavalerie, vous allez tenir cette position et vous allez, en termes de formation, vous déployer. Les archers, c'est pareil, vous déployez. Et l'infanterie, c'est pareil, vous déployez. Alors, pourquoi est-ce que je fais déployer tout le monde? Ils sont où? Comme c'est pas eux là-bas. Donc pourquoi est-ce que je fais déployer tout le monde? Pour la bonne et simple raison que quand mes cavaliers vont charger, ça va être beaucoup plus évident de traverser les rangs. Et on va les attendre. Je vais couper l'enregistrement donc je les vois pas, hein, donc à tout de suite. Alors je reprends l'enregistrement, je suis parti, vous voyez je pars en avant hein, pour voir peut-être que c'est eux qui m'attendent aussi. Bon, une vingtaine de soldats ne disparaissent pas comme ça. Je m'avance un peu en espérant ne pas me prendre tout le... Ils sont là. Et ils bougent pas. Donc je me demande s'ils sont pas buggés. Je vais voir si je peux les faire bouger un peu. Elle tire dessus quand même. C'est juste qu'il y en a une idée qui ne bougerait pas, mais dans ce cas tout le monde charge. Pour ma part je vais essayer de ne pas mourir. J'ai quoi? Un capicoulou. Alors je ne sais pas ce qu'est un capicoulou. Et un deuxième. Cavalier.
écoutez, essayez de me tuer, c'est pas grave, moi je cours autour, j'attends mon armée qui commence à se pointer, donc ça va commencer à démanger un petit peu les copains. Hein. Ah ça y est, ils sont réveillés. C'était étrange comme bug, on bouge pas, on fait grève. Bon après vous le voyez là, ce massacre, les types ils bougent pas, ils se prennent une charge de cavalerie. Non mais ça a bugué, hein, c'est pas dramatique, bon en même temps ils se seraient quand même fait massacrer. Ah mais ça y est, j'ai pris mon niveau. Allez, charisme direct. En plein combat, c'est pas grave. Et maîtrise des armes à feu parce que j'aime bien les armes à feu. Bon, vous le voyez, j'ai pas encore assez de charisme pour monter. Je pense qu'il faut que j'arrive à 12 de charisme pour monter encore un petit peu au sein du commandement. Ce qui me paraît énorme. Bon mais les amis, c'était un massacre. On les a massacrés. On va capturer tout ça. Hein. On a encore 69 soldats, ce qui est pas mal. Est-ce qu'il y a des bottes mieux que les miennes? Attends, j'ai loqué. Non. Bah écoutez, hein. J'ai anéanti une des armées. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Salut. Bah gros coupure dans l'enregistrement, hein, je veux retrouver le tsar. Et dès que je l'ai trouvé, soit j'arrive à le libérer, soit j'en resterai là sur un arc. Donc à tout de suite.